C'est toujours la fête dans ma gaming room. Je kiffe cette chambre, heureusement, parce que j'y passe quand même le trois quarts de mon temps. Comment ça va les amis? Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. On va customiser ma PS5 et ma Xbox Series X, les amis. Et ça, c'est vraiment cool. Si vous êtes comme moi, que vous aimez ce genre de détails, que vous êtes collectionneur, je suis sûre que ça va vous plaire. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va aller sur un site qui s'appelle, vous le voyez, dbrand.com. J'étais totalement passée à côté. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de joueurs qui sont déjà passés par là pour faire des essais de customisation. J'ai pas mal parlé des consoles customisées, notamment des PS5 dernièrement sur ma chaîne. On en a vu d'ailleurs tout récemment une incroyable dédiée à Miles Morales qui est juste sublime. Ici, vous allez le voir, vous n'allez pas pouvoir customiser en mode mettre du Spider-Man ou du God of War ou du Halo Infinite sur vos bécanes, mais vous allez pouvoir faire quelque chose de très élégant. C'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple et à la fois, c'est déjà assez sympa ce qu'on propose. On peut customiser évidemment aussi la manette. Donc, on va faire ça sur les deux consoles next-gen. Les amis, je sais pas comment j'étais passée à côté de ce site, c'est juste génial. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Alors on va commencer par la PS5 les amis, et de toute façon, que ce soit pour cette dernière ou pour la Xbox Series X, je vais donner deux exemples de customisation, comme ça on aura le choix et ça me permettra de les publier de manière incroyable et magique sur Twitter, vous aurez les quatre. Je vais faire deux choix en fait, hein. Je vais faire deux styles de customisation, moi j'adore personnaliser de toute façon, dans les jeux je pourrais passer des heures à faire ce genre de choses, alors pour le coup, concernant mes consoles, je pense que ça va être la fête à la maison. Alors vous le voyez, hein, on peut même customiser sa PS4 évidemment, d'ailleurs on pouvait même customiser sa PS3, la PS Vita également. Pourquoi j'ai jamais vu ce site? C'est juste incroyable. Enfin, on va se concentrer évidemment sur la next gen, donc vous l'avez vu, vous pouvez précommander l'habillage de la PS5 digitale ou la PS5 classique. Ça ne changera pas grand chose en tout cas pour le coup ici, donc on va prendre la classique. Alors vous pouvez modifier évidemment la partie droite, la partie gauche, le milieu, la base aussi de la console, le socle, hein, puisque vous allez pouvoir vous servir de ce socle pour la mettre à l'horizontale ou à la verticale, donc on va le voir, il prend de la place quand même, tout prend de la place dans cette console, et on va pouvoir aussi modifier la DualSense. Alors on va commencer par évidemment, hop, par le haut, par le début. Alors, je vais vous montrer un petit peu tous les coloris, toutes les textures. Par exemple, celui-là, hein, je le trouve assez classique. Je trouve que ça apporte pas grand-chose. Autant, effectivement, une PS5 noire, je trouve que ça peut être ultra élégant. Puis ça changera un petit peu, parce que c'est vrai que la blanche, du coup, on l'a tellement vue, je pense que c'est devenu assez classique, finalement, à l'œil. Mais ça apporte pas grand-chose, ici. Déjà, regardez, si on va sur le côté, si on va vers le swarm, ben ça fait un petit peu plus joli parce que c'est plus texturé. Donc ça, c'est assez sympa, mais c'est pas tout à fait mon goût non plus. Voilà, le camo, j'aime pas du tout. Autant ça a du charme. D'ailleurs, à la limite, je le préfère comme ça, un petit peu plus clair, qui tire un petit peu plus justement vers le vert. Mais pour le coup, je suis pas fan du tout de cet aspect-là, de ce coloris-là. Le côté dragon, il est joli aussi, il apporte quelque chose. C'est un peu comme celui-là, vous voyez? Ces effets-là, là, je les trouve relativement jolis. Ça, c'est très élégant. C'est vraiment très élégant. Je pense que ça séduira pas mal de joueurs. Le côté rouge, un peu moins, parce que du coup, c'est un peu criard. Autant je préfère le rouge que le noir, c'est une de mes couleurs préférées. Mais à choisir... À choisir dans ce coloris-là, sur cet aspect-là, je prendrai celui-ci. Mais ce sera pas mon choix. Ce sera pas mon choix. Côté carbone, comme ça, en fibre de carbone, c'est très joli aussi. De toute façon, personnellement, moi, je vais prendre du texturé. Moi, je vais choisir du texturé parce que je trouve qu'il faut quand même essayer d'apporter quelque chose. Si c'est pour prendre un truc tout lisse, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Et pour le coup, là, le gris... Il est vraiment très classe. Alors après, ça fait un peu pneu. Je dis pneu parce que normalement, en tant que Marseillais, je devrais dire pneu. Mais j'essaie de le prononcer bien. Ça fait un peu pneu, quoi. Enfin, pneu. Donc voilà. Donc peut-être un peu moins fan. Bah, je trouve que ça la rend pas canon, quoi. Tu dis pas, waouh, la bécane est trop belle. En blanc, bah c'est joli parce que c'est texturé, mais du coup, ça rappelle trop l'original, donc ça reste classique. Rouge, c'est très joli, mais autant, c'est ce que je vous disais, j'aime le rouge, c'est un peu criard. Moins que celui-ci, parce que celui-ci... Il tire un petit peu plus vers le lit de vin. Attention, je commence à utiliser des mots bizarres, les amis. Là, c'est vraiment trop étant, peut-être. Donc non, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a le rétro-éclairage bleu. Et il faut prendre ça aussi en compte, hein, les amis, dans la mode. Parce que quand même, c'est comme si on parlait de mode, hein, on est en train de l'habiller, cette console. Dans la mode, il ne faut jamais mettre plus de trois coloris, de trois couleurs. Sinon, ça jure, c'est pas élégant.
Donc là, il faut prendre en compte quand même le bleu, hein. Donc on va juste ajouter deux couleurs. Enfin, personnellement, moi je vais faire deux couleurs pour mes deux exemples, hein. Et ce sera pareil pour la série X. Le jaune, c'est très joli aussi, mais je vais peut-être la poser ailleurs. Là, pour le coup, j'ai envie de quelque chose de plus frappant, vous voyez, de plus fort. Alors, tout ce qui est pierre, autant, par exemple, celui-là, je trouve que c'est très joli. Ça fait une pierre bien lissée, c'est assez élégant, c'est clair. C'est très, très sobre, très épuré. Mais par contre, le côté marbre, moi, le marbre, je sais pas vous, mais ça m'angoisse totalement parce que ça me fait penser au cimetière. Ça me fait penser aux pierres tombales. Donc, je sais, c'est peut-être mon côté survival horror. Mais je déteste, donc c'est non, jamais. Moi vivante, jamais, justement. Là, alors, c'est difficile de voir le vrai rendu, forcément, parce qu'on est sur un écran, il faut les avoir en vrai. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu risqué, hein, de faire ce genre de choses, quand même, via le net. Mais, en tout cas, de prime abord, pareil, je trouve que ça apporte pas grand-chose. Ce blanc-là, il est aussi assez joli. Il est un petit peu velouté, justement. Ça fait un peu nuageux. C'est joli, mais ça se rapproche une fois de plus de la classique, donc non, quoi, c'est trop blanc. Là, ici, pareil, pas fan. Là, de toute façon, le côté, toute cette ligne-là, là, je suis pas fan. Alors, à part peut-être celle-là, mais je vous disais, ça fait quand même un peu trop pierre, quoi. Et c'est trop lisse, peut-être un peu tristouné. Voilà, c'est le côté gris, peut-être, je ne sais pas. Là, celui-ci, il m'attire pas du tout. Celui-ci est très joli, mais pareil que sur le dessus. Le gris, c'est vraiment très beau, mais c'est un petit peu tristouné. Et là, on arrive à mon préféré. Clairement, ça va être mon premier choix. Moi, j'adore le bois. Mais le bois foncé, vous voyez. Pas le bois Ikea. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ça fait pas naturel. Ça fait, on dirait, les armoires que t'achètes voilà, chez Conforama ou Ikea. Alors que là, ça fait vraiment le bois forêt. Donc ça, c'est vraiment très élégant. C'est sobre et ça donne vraiment de la gueule à la console. Donc forcément, c'est obligatoire, c'est ce que je prends. Allez, on l'applique, 14,95€. C'est pas trop cher, hein, au final, hein, ça fait pour un petit peu plus de 60$. Vous pouvez customiser votre bécane, ça va très bien, ça passe, quoi, c'est pas hors de prix. Alors, le milieu, c'est important, le milieu, enfin. Alors, là, on va avoir, hein, à chaque fois, évidemment, les mêmes coloris proposés pour chaque partie de la console. Je me pose un petit peu la question, parce que encore une fois, on a du bleu. Donc, déjà, il ne faut pas une couleur vive comme ça, parce que sinon, je trouve que ça jure un peu. Je pense qu'il faut, prendre une couleur qui va avec le bleu. Dommage qu'il n'y ait pas de rose, parce que le rose va très bien avec le bleu. Moi, je me dis que le jaune, ça va très très bien avec le bleu. Et pour le coup, ça reste dans les couleurs un peu chaudes, et donc ça va avec le bois. Les couleurs chaudes, vous savez, c'est le rouge, l'orange, etc. Et là, ça va avec le bois, et je trouve que c'est vraiment joli. Je trouve que c'est très très joli. Donc je pense que de toute façon, je vais opter pour ça. Je regarde quand même celle-là, lit de vin. Ouais, ça se rapproche trop. Et à la fois, c'est différent, donc ça jure une fois de plus. Donc non, 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 non. Le côté pierre. J'aurais pu mettre le côté pierre, mais celui-là, on va peut-être se le mettre de côté. Mais pour le coup, avec le bois, le jaune un peu texturé comme ça. Ah ouais, non, 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 j'aime bien. Allez, on prend le bulletproof banana. Ah, j'aime bien la couleur banane. Alors l'autre côté de la console, évidemment. Alors, pour le coup, je me dis que ça, quand même, c'est la classe. J'ai pas envie d'en faire des tonnes, en fait. Je veux garder vraiment trois couleurs maxi, hein, c'est ce que je vous ai dit, avec le rétroéclairage. Une fois de plus, je veux pas trop en rajouter. Mais c'est vrai que on pourrait faire un peu différemment. Par exemple, donc, l'autre couleur dominante. Et je trouve que ça, honnêtement, c'est super joli. Vous allez me dire, hein, ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me régale, hein, c'est la vidéo de ma vie. Hein. Je me régale à faire ce genre de choses. Ça change un petit peu. Franchement, elle est très très classe. Parce que si je la mets à l'horizontale, la bécane, ça veut dire qu'on aura tout le bas jaune texturé, banana, et le haut en bois. Voilà. Et si je la mets à l'horizontale, bon, on aura juste un petit peu le retour. Hein, on aura ce côté bois très élégant. Mais voilà, ça va pas jurer. Et je pense qu'il y a des chances que je puisse la mettre aussi à l'horizontale parce qu'elle est tellement haute. Finalement, je ne sais pas du tout comment je vais la caser dans mon meuble TV. Ça n'ira pas derrière, en tout cas, ça c'est sûr. Mais moi, je trouve que c'est très beau comme ça. Et le jaune va très très bien avec le bleu. Ça encadre bien le rétro-éclairage. Je pense qu'on est pas mal. Donc, je pense que je vais opter pour ce coloris-là, pour ce modèle, pour cette première customisation. La base, c'est super important. Donc, elle va aller soit en bas, hein, si vous la posez debout, soit dessous.
Donc il faut voir un petit peu, il faut qu'elle aille avec mon jaune et avec mon bois, parce que si elle est dessous, forcément, elle va plutôt être collée sur le côté jaune. Je vous l'ai dit, je ne veux pas mettre plus de 3 couleurs, donc soit je laisse en jaune, et du coup, au moins, même si je l'ai face à moi, je verrai le socle qui ressort, c'est assez joli. Et dessous, pareil, ce sera assorti. Soit je laisse tout en bois, mais ça veut dire que je vois moins le jaune si elle est face à moi. Et ça me dérange un petit peu. Mais c'est vrai que comme ça, ça fait joli. Comme ça, ça fait joli. Vous voyez, si on met autre chose, c'est complètement naze. Hein. Même si on met le bois, par exemple, on pourrait se dire, hein, on met un socle en bois, en pierre, un peu avec un effet pierre, c'est pas joli. Non, on ne va pas faire ça. Et le côté Ikea, jamais de la vie. Je vous montre un peu tout ce que ça donne. Hein, mais vous voyez, dès qu'on met une autre couleur, là, ça fait trop. C'est pas beau. Je ne sais pas, j'hésite un peu. Je pense que je vais laisser jaune comme ça, parce que du coup, comme ça, on verra le jaune. Hein. Allez, c'est plutôt très très classe. C'est plutôt très très classe. On va la laisser comme ça. Oh, quoique, le bois, quand même, c'était pas mal. Hein. Regardez, le bois comme ça. Et oui, mais je veux quand même voir le jaune. Remarque, je peux la mettre un petit peu en biais. Oh là là là, c'est un vrai problème, les amis, ce genre de choses. Bon, on va la laisser en jaune, parce que je trouve que c'est vraiment très joli. Puis avec le, voilà, avec l'éclairage, j'ai envie d'avoir ce retour texturé. Allez, le contrôleur. Alors le contrôleur, il faut qu'il soit assorti et on ne peut modifier qu'une seule partie. Hein, là, on ne peut pas changer le noir, on ne peut pas changer les touches, etc., les joysticks. C'est pas une scuff. Hein, donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas ici? Il faut qu'elle soit assortie, donc ça va être soit ça, soit ça. Et très clairement... Alors, la logique aurait voulu que l'objet qui accompagne la machine... le petit objet, entre guillemets, qui accompagne la machine, reprennent les couleurs qu'on voit le moins sur la console. Et il y a plus de jaune que de bois, mais c'est plus le bois qu'on va voir, parce que soit elle va être à l'horizontale et le dessus va être en bois, et si elle est tournée même debout, elle sera tournée côté bois. Donc pour le rappel de l'arrière et du dessous, parce que ce sera l'arrière et le dessous, il faudrait la prendre en jaune. Néanmoins, je trouve que c'est moins joli qu'en bois, donc je vais la mettre en bois. Voilà, ça c'est mon premier modèle de PS5. La meuf s'est pris la tête pendant... environ 10 minutes 40 hein, pour faire une console, mais franchement elle est très très classe. Et donc du coup, bah, on a ce premier modèle, ça va aller très vite pour le deuxième, très clairement. Hop, regardez, c'est vrai que ça c'est un petit peu tristouné, mais c'est ce que je vous disais, je trouve ça quand même relativement classe. Donc si je devais me faire un deuxième modèle, je pense que j'irais plutôt donc vers du gris, hop, vers du gris. Le milieu, je pense, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de bleu du tout, mais ça c'est bien parce que du coup avec le rétroéclairage, du coup ce serait trop bleu, ce serait pas super joli. À l'intérieur, je pense que pour le coup, jamais de marbre, hein, évidemment, mais toujours du texturé. Ah oh, ouais, mais je trouve que le jaune est parfait, hein. le jaune est parfait. Tu peux pas mettre de rouge avec du bleu, c'est pas possible. Hop, du coup, l'autre côté... je pense que je resterai, voilà, comme ça. Et pour le coup, là, la base, je la mettrai en pierre. Vous voyez? C'est tristouné, mais elle a un côté très élégant comme ça. Et vous avez vu, quand même, je reste sur le jaune. Hein. Là, pour le coup, je reste sur le jaune. Et pour la manette, ben là, je passerai pas, par contre, sur le jaune. Et là, regardez comme c'est joli. Regardez comme la DualSense, du coup, ressort bien. Parce que forcément, on la mettra à côté. Non, comme ça, elle est vraiment très jolie. Donc, c'est soit le côté très sobre, un peu tristou, mais le côté couleur de pluie. J'aime bien dire ça, couleur de pluie. Mais toujours avec du jaune. Je trouve que le jaune, vraiment, il ressort bien. Parce qu'il y a du bleu. Parce que l'éclairage est bleu. Voilà, ça c'est mes deux modèles de console. De toute façon, je les prendrai bien en photo aussi pour les mettre sur les réseaux sociaux. Mes deux modèles de PS5. Vous me direz ce que vous en pensez. Et de toute façon, bah, n'hésitez pas, hein, vous pourrez m'envoyer aussi vos modèles en allant sur le site dbrand.com, me montrer un petit peu ce que vous avez, voilà, ce que vous avez imaginé. Donc vous voyez, un petit peu plus de 60$, 62$ et quelques, ça va quoi, ça passe. On va aller du côté de la Xbox Series X, les amis. Hop, alors vous le voyez ici, pareil, hein, on peut customiser les autres consoles de la famille Xbox, la One S, la One, la One X. Nous, on va aller à la Series X. Alors vous allez voir, c'est un petit peu différent. Donc là, par contre, il y a plus de choses. C'est ça qui est plutôt cool. On va commencer par le front. Voilà, donc le devant, évidemment. Hein, front, tout ça. Voilà, voilà. On parle anglais. Et ben là, c'est pareil, je trouve que le bois, c'est magnifique. Mais on va essayer de faire quelque chose de différent parce que je vais les avoir toutes les deux voilà, dans ma pièce. Donc, parce que oui, hein, je compte vraiment commander ces habillages, évidemment. Hein.
Je pense que là, pour changer un peu, on va arrêter avec le jaune. Je trouve que lit de vin, comme ça, c'est vraiment pas mal. Parce que là aussi, il y a un côté bois. Mais vous savez, les arbres un peu, qui tirent justement un petit peu vers le rouge, comme ça, il y a un côté un peu humide, et j'aime énormément. Et je pense que de tous les habillages, de tous les coloris, de toutes les textures, à part le jaune et le côté bois classique, c'est peut-être celle qui me plaît le plus. Voilà. Donc je pense que je vais prendre ce modèle-là pour ma série X. On va voir combien... J'ai pas regardé combien ça coûterait au final pour la série X. Pour le derrière, bah le derrière, on le voit pas, donc je pense que voilà, le mieux, c'est de laisser la même chose, que ce soit voilà, le Red Dragon, que ce soit cohérent, bien évidemment, c'est très important. Je pense que le mieux, de toute façon, dans ces cas-là, c'est que tout soit cohérent. Je vous le disais, il faut pas, puisque sur le dessus, on a du vert, hein, n'oublions pas, en biseau, sur la grille d'aération. Donc, il faut pas partir dans des trucs trop, trop foufou. Justement, on va rester dans le côté un peu forêt, nature, avec le vert et le lit de vin. Je pense qu'après cette vidéo, vous allez me prendre pour une ouf, hein. La meuf qui met 300 heures à parler de mode, lit de vin, tout ça. Voilà, 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 la couleur top aussi, hein, bref. Pour la première, en tout cas, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On est déjà à 28 euros. 28 dollars, les amis. Bah là, on va rester comme ça, évidemment. On le voit pas, mais bon. Hein, on va être cohérent quand même. Donc, voilà. C'est ici que ça va changer. Donc, jamais de la vie, bien évidemment. Oh, le jaune, c'est beau. Hein. Non, mais franchement, ça fait un côté très nature, très automnal, en fait. Le côté un peu miel, comme ça, dessus. Mais il y a du vert. Et ça va pas faire joli, malheureusement. Comme ça... Avec le côté noir, on voit pas le, on va pas ressortir la couleur verte. Ça passe, mais ça va pas faire joli. Moi, je dis que blanc, ça peut le faire pour le coup. Le blanc texturé, hein, évidemment. Mais le blanc, c'est vraiment joli parce que c'est un petit peu assorti justement au bouton d'allumage de la console. Et je trouve que comme ça, c'est quand même pas mal. Elle est très jolie, elle est très sobre. Et là, pour le coup, j'ai le coup de cœur. Donc, on va laisser comme ça. Voilà, et là on va mettre pareil pour rester évidemment, eh bien, une fois de plus, cohérence, ce sera le mot de cette vidéo, cohérence, mode et cohérence. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution hein, que de rester quand même dans l'élégance absolue. Fais voir du coup si je la mets comme ça, c'est joli aussi comme ça, hein, mais franchement, hein, ça fait quand même pas du tout le même effet. Là justement c'est du plus bel effet, c'est magnifique. Et ben vous voyez au final c'est moins cher. Au final c'est moins cher que la PS5 et on a une magnifique Series X toute de bois vêtue. En fait on va l'appeler la Series X Red Dragon. Ah je la trouve très très classe. Ça c'est mon premier modèle. Elles sont canon hein. Elles sont vraiment canon. Je vais les prendre en photo comme ça sur... sur Twitter, je vais vous les mettre, sur Insta aussi, je vais les mettre côte à côte pour que vous puissiez les voir. Je suis très très fière de mon modèle. Alors en deuxième modèle, pour voir un petit peu les différences, quelque chose de, voilà, quelque chose de plus exotique parce que j'ai adoré ces couleurs. Donc là, on va laisser comme ça, vous allez voir. Hop, voilà. En jaune comme ça, c'est super joli, mine de rien. On va laisser, voilà, on va mettre comme ça. Ah, oh, c'est beau aussi quand même en rouge, hein. Mais il y a du vert. Et je ne peux point faire ça. Le gris, c'est joli aussi. Gris et jaune. C'est beau, hein. En bois aussi, elle aurait été très très belle, hein, forcément, hein. Mais quoique le bois comme ça. Et si en plus, on fait le contrôleur assorti, elle est belle aussi comme ça, hein. Elle est vraiment très très belle. Hein. En fait, j'ai fait l'inverse de la PS5 sur la série X, là. J'ai fait l'habillage de base, en fait, hein, l'habillage du devant, enfin, l'enrobage principal en jaune, texturé, et le reste en bois. Donc, la grille d'aération et la manette en bois. Je pense que je vais rester comme ça pour la seconde. Elles sont classes, non? Est-ce qu'elles sont pas classes, en fait, mes consoles? Regardez, je les ai prises en photo, justement, pour vous les montrer toutes ensemble. Donc, les voilà, toutes les quatre, et je les trouve plutôt jolies, plutôt élégantes. Vous allez me dire, c'est sobre. C'est vrai qu'elles ont toutes vraiment le même style, comme quoi, vous voyez, les goûts, on reconnaît tout de suite, hein, quand ça a été customisé par la même personne. On voit bien les couleurs naturelles, le côté un peu miel. Elles font très automnales, en fait, ces consoles. Elles font très mois d'octobre.
octobre, hein, c'est pour ça que j'ai décidé de les customiser au mois d'octobre, même si elles arrivent en novembre. En tout cas, voilà ce que moi j'ai décidé de faire. N'hésitez pas, vous, à aller essayer, ne serait-ce que pour s'amuser, ne serait-ce que pour passer un moment marrant, à essayer de les customiser et envoyez-les moi pour que je puisse voir un petit peu les différences de goût et si vous avez peut-être plus d'imagination que moi. Clairement, évidemment qu'on préfère des PS5, Xbox Series X customisés aux couleurs de Spider-Man, God of War ou Halo Infinite ou encore Ori, évidemment. Mais en tout cas, je trouve que si on veut quelque chose d'élégant, d'un petit peu sobre, ben, ça peut être très très cool. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à faire ce genre de vidéo. C'est vraiment le genre de truc qui me fait kiffer. J'espère que vous aussi, autant que moi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et si c'est le cas, laissez le petit pouce bleu et à bien vous abonner, ça aide concrètement la chaîne, à partager aussi la vidéo, ça aide sur vos réseaux sociaux et merci d'avoir été avec moi pour ce petit moment de détente. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite sur la chaîne, ce week-end, la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.